Dorénette, des pommes d'api, tapis rouge. Pomme d'Orénette, des pommes d'api, tapis gris. Clara, je te reprends après. D'accord? Je te prends après. Je vais préparer ton biberon. Je reviens. T'as sauvé un petit peu? Oui. Mais je vais préparer le biberon. Je vais le préparer. Tatouille. Voilà, tatouille. J'imagine certainement, mais. Je sais pas, c'est pas facile à décrire, quoi, mais. Mais elle a envie de. Pour revenir à l'envie d'avoir un enfant, ça depuis longtemps. Moi, j'ai toujours été attirée par les enfants depuis toute petite. Et en grandissant, j'ai eu des amis et mon frère qui a eu des enfants. Puis c'est là aussi que je me suis habituée à m'occuper d'enfants. On m'a fait confiance. Ma belle-sœur, je sais que j'ai eu de la chance, de beaucoup de chance d'avoir ma belle-sœur parce que c'est elle qui savait que j'étais capable. Mais elle m'a fait confiance. Jamais elle m'a dit tu seras pas capable. Elle savait que j'avais des limites et que je saurais lui dire si j'avais peur de quelque chose ou quoi que ce soit. Quelque chose, il faut tout mettre en œuvre pour y arriver, malgré toutes les barrières, les frontières, les bâtons dans les roues qu'on vous met, qu'on vous dit oh là, mais c'est pas possible, on n'est pas compte. Enfin bref, impossible n'est pas français, donc il faut combattre cette façon de voir négative. Et puis au bout d'un moment, à force de faire des tours, des demi-tours, des marches, etc., on s'aperçoit que c'est pas impossible. Il faut juste vouloir tout mettre en œuvre et surtout pas baisser les bras, ce qui est pas évident. Il y a bien des fois où on a baissé les bras, on s'est dit on n'y arrivera jamais. Et puis en fait, un jour, le cadeau, il arrive. Petit bout de chou pointe le bout de son nez. Et puis ça comble tout le monde de bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Et puis voilà. Oh! Ça, c'était un gros. Ça, c'était un gros. Hein? C'est un chien. J'ai une amie qui a eu un petit bout de chou qui est née avant terme, qui ne buvait pas très bien, et on m'a dit que s'il ne buvait pas, c'était à cause de sa maman qui ne voyait pas. Et elle m'avait dit, méfie-toi, parce que ça, tu peux l'avoir. Enfin, ça dépend, quoi. Mais c'est des choses qui font très mal. Hein. Et elle leur a prouvé, quand même, à l'hôpital, plusieurs fois, que quand elle était là, son fils buvait beaucoup mieux avec elle qu'avec quelqu'un d'autre. C'est vrai que quand la. Je sais plus, c'est Anne, je crois, qui disait qu'il fallait qu'on soit comme les autres, voire mieux. Et c'est souvent mieux qu'il faut qu'on soit que les autres. Mmh. Ça, c'est vrai. Mmh. Parce que si on n'est pas mieux, on va être jugé. On va se dire, on va nous dire, ouais, mais bon, ça pas, enfin, ça pourrait être mieux ou ça pourrait être différent. Changer les couches, je l'ai fait très très tôt, moi, avec mes petits cousins, cousines, souvent avec mes oncles et tantes, mes tantes, je le faisais souvent, donc ça, je sais le faire depuis longtemps. Et puis par rapport à la préparation du biberon, la puéricultrice de l'Institut de puériculture m'avait conseillé de graduer justement une seringue pour absorber l'eau pour les biberons. Voilà. Comme ça, je peux les préparer toute seule et puis j'ai besoin de personne. Coucou, oui, tu racontes? Je suis désolée, mais est-ce que tu racontes un petit peu? Clara. Je mange ma main gauche. Je mange mon poing gauche. Oui. Le bain, je le fais avec le papa quand même parce que je trouve que c'est un moment privilégié avec le papa qu'elle a pas beaucoup, comme il est pas là de la journée, qu'il travaille. Mais autrement, moi j'ai pas peur de la savonner, de la prendre et de la mettre dans le bain. Avant, je me serais dit que j'avais peur. Effectivement, une fois qu'on a notre bébé, je pense que c'est différent. Ça, Madame Toye de l'Institut de puériculture de Paris m'a bien dit. Elle m'a dit, vous verrez, quand votre bébé arrivera, vous serez différente, vous vous transformerez et vous vous métamorphoserez en disant, si je suis capable de le faire. Mmh.
Moi, je lui apprends pas. C'est le fait, enfin, le handicap qui fait qu'elle apprend. Mais c'est pas moi qui veux lui apprendre ci ou lui apprendre ça. Enfin, je la laisse s'éveiller à son rythme, ce qui est normal. Par contre, je pense qu'elle a d'autres points de repère qu'un autre bébé n'a pas. Elle s'exprime avec son regard, ses yeux et tout. Mais je pense qu'en plus, il y a le son et elle gazouille peut-être plus vite que les autres, je sais pas, plus tôt. Et avec le jeu des mains, elle touche beaucoup aussi les objets qui l'entourent. Je pense que ça a été transmis de par peut-être l'autonomie qu'on a fait pendant la grossesse et puis par rapport à mon handicap, qu'elle a l'habitude d'utiliser le toucher.